Préfères-tu le calme, la paix des champs? Suis ces deux philosophes qui s'en vont rejoindre les gardiens du troupeau. Là-bas, dans une confortable maison de pierre, monsieur l'administrateur fait la sieste, écrasé de soleil. Mais ici, il faut travailler, suivre le troupeau cherchant pâture dans la brousse. Et tu rentreras le soir au village, à l'heure où les enfants terminent leurs ébats, à l'heure où le muezzin appelle les fidèles à la prière. À l'heure où l'on se groupe sur les rives pour attendre les dernières pirogues. Tu t'étonnes de voir un village sans école, sans médecin. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'œuvre. Mais ce village a encore de la chance dans sa misère, il est en paix. Regarde ce qui guette les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5 heures du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village, elles ont tiré, elles ont brûlé, elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, deux balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. T'étonne. Les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Quand je sortais de l'Institut de haute étude cinématographique, on m'a demandé de faire pour l'éducation nationale, pour la ligue de renseignement, un film sur la vie des paysans d'Afrique occidentale française. Et puis j'ai filmé ce que j'ai filmé et j'ai été poursuivi en vertu d'un décret Pierre Laval, ministre des colonies en 1934. J'ai été poursuivi, j'avais 21 ans en 1950 pour ce film, et c'est devenu Afrique 50 parce que j'ai tout promené et puis j'ai tourné le film comme à partir de ce que je voyais là-bas. Bon, le film m'a valu un an de prison.
que cette stratégie offensive va se prolonger et qu'il n'est pas question de demander aux forces de l'ordre de se retirer et encore moins de reculer. Cette stratégie offensive deviendra la règle. Ils ont voté dans une France socialiste. Je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, ils chanteraient la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé.
Réveille-toi, prends du large et jouis. Je cède et paravent comme un zoom d'espérance. Que font-ils? Qui sont-ils? Ces gens qu'on tient en laisse. Dans les ports, au shopping, au bordel, à la messe. Et ces mômes qu'on pourrait se carrer entre deux trains, histoire de leur montrer qu'on a du face à main. Ils ont voté, ils voteront comme on prend un barbiturique. Et ils ont mis la République au fond d'un vase à reposer. Les experts ont analysé ce qu'il y avait au fond du vase. Il n'y avait rien qu'un peu de vase. One, two, three, four. Avec Arthur, Quentin, Sacha, Kenza, Joris, Pauline et les deux Alexandres. Sans oublier les skateurs du métro Chevaleret. Tu l'as fait, je suis pas clair. Remix Nirvana, Pascal Bénard. Mixage Jean-Marc Poitry et Bernard Laniel. Réalisation Jean-Philippe Mabard. Tête, une émission proposée par Benjamin Stora. Bonjour, vous êtes en direct sur France Culture et Beurre FM pour cette émission consacrée aujourd'hui à la nuit du 17 octobre 1961. Chaque année, en effet, la date du 17 octobre 1961 est commémorée par d'importantes associations de l'immigration algérienne en France. On se souvient que cette nuit-là, quelques mois avant l'indépendance de l'Algérie, des centaines d'Algériens ont été tués et blessés et en banlieue par les forces de police, dirigées à l'époque par le préfet de police Maurice Papon. Nuit d'épouvante, comment est revenu dans la mémoire française cet événement tragique ? La date du 17 octobre 1961 est-elle devenue un acte fondateur d'une citoyenneté nouvelle ? Vous pouvez poser votre question en nous appelant sur France Culture. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 octobre 61 ? Alors, ce qui s'est passé, il faut déjà se remettre dans le contexte de cette fin de guerre d'Algérie, où on a d'une part un État clandestin qui est la Fédération de France, l'FLN, un véritable État dans l'État, et en face, un État français qui veut encore maintenir l'Algérie sous l'Algérie française. Thank you.
Mon enfance s'est passée pendant cette guerre, donc à Sèvres, près de Paris. J'ai souffert des restrictions, du froid, des bombardements. J'ai eu une scolarité complètement perturbée. À la libération, j'ai été témoin par hasard et j'ai vu, après un combat d'une avant-garde de l'armée Leclerc, une trentaine de soldats allemands morts sur la route. Cette image, je ne l'ai jamais oubliée et elle a renforcé ma haine de la guerre et de ceux qui en sont responsables.
Pas de raison qu'il en soit autrement, par exemple sur le 17 octobre 61. Le problème, c'est que ça ne peut pas être des identités, des commémorations pour constituer des identités particulières. Il s'agit de commémorations de l'histoire de France, de la République française, et en faire des dates de la République. C'est pour ça que je disais le gouvernement, j'essaye pas d'attaquer le gouvernement, il faut que l'État considère que c'est une date pour tous les Français. L'histoire constitue à partir de parts de lumière, mais aussi de parts d'ombre, et là c'est une part d'ombre. Oui, on a énormément d'appels de sénateurs qui disent « Vous voulez supprimer le sida, très bien, mais qu'est-ce que vous voulez mettre à la place ?» Finalement, le militantisme est venu avec effet rétroactif. Par honte,
pour moi, l'événement de ma vie qui me donne honte, c'est d'être passé à côté de ce qui s'est passé le 17 octobre 61, quand des milliers d'Algériens ont manifesté de façon pacifique, ont été matraqués et qu'on a retrouvé plusieurs centaines de cadavres dans la Seine. Ça s'est passé à côté de chez moi. J'habitais pas loin de la Seine. Je l'ai appris par Le Monde, par des petits entrefilets, mais au fond, c'était normal que la police fasse son boulot. Et ce n'est que des années après que j'ai compris que j'étais passé, donc que j'avais accepté un massacre. Et par conséquent, je n'avais pas fait mon travail de citoyen, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je crois qu'on peut avoir honte d'avoir laissé faire ça. Je l'ai laissé faire. Et c'est une des choses qui me motive, c'est qu'il ne faut pas que ça se produise trop de fois dans la vie d'un homme, de laisser faire des saloperies en faisant semblant de ne pas les voir. Qu'on le veuille ou pas, le monde change de structure. Ou on subit, ou on oriente. C'est tout. Alors être révolutionnaire, c'est orienter. Être conservateur, c'est subir. Moi, je choisis. Došli u novi Jugo American supermarket koji je tu samo zbog vas, poštovani kupci. C'est un peu dommage d'entendre ça, mais ça n'empêche que les émissions sont régulièrement très intéressantes. Voilà, merci, à bientôt, au revoir. Suite au reportage riche d'enseignements sur la grande distribution, si vous en avez assez des Auchan, Leclerc et autres Carrefour, venez donc nous rejoindre à La Ville-Dieu en Creuse, où Mémoire à Vif organise un méchoui garanti bio le samedi 26 juin pour clore la journée du refus dédiée à tous ceux qui ont eu le courage de désobéir, des soldats réfractaires français à la guerre d'Algérie, aux refusniques et objecteurs antimilitaristes israéliens. Début des festivités à 14h en musique avec la chorale des résistances sociales, puis projection de films et débats où seront présents entre autres Simone de Bollardière, Maurice Rachfous, Alban Lipski, premier soldat du refus. Salut. Et ça, c'est un rendez-vous très important à La Ville-Dieu, c'est des amis, et allez-y, le 26 juin, donc le samedi 26 juin, à partir de 14h, et je peux vous dire, parce que je sais d'où ils viennent, que les moutons du méchoui de ce jour-là sont de première, mais alors vraiment de toute première qualité. D'André Pierre de Mandiard, d'Édouard Pignon, d'Alain Resnais, de Claude Roy, Nathalie Sarraute, Jean-Paul Sartre, Claude Sautet, Simone Signoret, Pierre Vidal-Naquet et beaucoup d'autres. Ils étaient 121 en septembre 1960 à signer le droit à l'insoumission
l'appel des 121 qui finissait par ces mots: nous respectons et jugeons justifié le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. Nous respectons et jugeons justifié la conduite des Français qui estiment leur devoir d'apporter aide et protection aux Algériens opprimés au nom du peuple français, la cause du peuple algérien qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial et la cause de tous les hommes libres. C'était en 1960, c'est des choses comme ça qui contribuent à sauver l'honneur de notre pays et d'en conserver vivantes, bien sûr, les valeurs. Mais à la Ville-Dieu, c'était 4 ans avant. C'était en 1956, c'était un petit village et c'était des paysans et c'était des gens, comme on dit, ordinaires, des gens de peu. Dans ce village qui fait 53 habitants, dans ce coin de la Creuse et non de la Corrèze, je vais me faire tirer les oreilles la prochaine fois. Et en fait, bon, mais c'est pas un hasard s'il y a eu le message chez Mermet. En fait, il est un petit peu à la base de la création de l'association, puisque il était venu avant à la Ville-Dieu rencontrer les gens de la Ville-Dieu et puis les élèves qui avaient fait une petite cassette, donc Guéret Bayon, sur les événements de mai 56 à la Ville-Dieu. Et donc, il nous a soumis l'idée de créer une association pour essayer de faire revivre cette mémoire et également d'obtenir, ce qu'on n'a pas obtenu pour le moment, la réhabilitation des 3 condamnés de la Ville-Dieu. On a débusqué cette affaire, en fait, qui était vraiment enfouie, parce que je crois que les gens ne tenaient pas trop à ce que ça revienne. C'était une mémoire qui était difficile à remuer quand même. Donc, en fait, ce qui a été bien, c'est que c'était des jeunes qui venaient à la rencontre donc des personnes qui avaient vécu ce moment très très pénible donc de mai 56. Et donc, alors que les portes s'étaient souvent fermées devant les gens qui avaient essayé d'en parler, à partir du moment où c'était des jeunes qui étaient venus, on nous a très très bien accueillis et donc on a eu des témoins qui ont pu raconter ce qui s'était passé à ce moment-là. Bon, alors si on parle donc de ce véhicule qui a été arrêté à la Ville-Dieu, par les habitants de la ville, certains habitants de la Ville-Dieu, moi ce que j'en ai retenu, c'est que ce véhicule a été arrêté. Il n'a même pas été arrêté puisque ce sont les soldats qui eux-mêmes se sont arrêtés au restaurant chez Madame Moratti, qui elle tenait un petit café à l'époque. Et donc il y avait d'autres personnes qui consommaient. Donc en l'occurrence c'était la famille Monnier qui faisait un arrangement de famille. Et donc quand les militaires sont rentrés, et puis quand on part comme lui de partir en Algérie, certainement que les pauvres gars ils devaient en avoir gros sous la patate, quoi. Et donc cette famille, la famille Monnier, et même peut-être d'autres, quelques autres personnes qui étaient là. Je comprends leur douleur de voir partir ces jeunes en Algérie. Donc, même il y en avait certains qui étaient mariés et qui avaient des enfants, il paraît. Et donc, bon, ils ont aidé à ne pas repartir, quoi, à rester. Ils étaient bien d'accord avec eux. Et donc, ces jeunes militaires se sont dit, ben, c'est même peut-être pas la peine qu'on y aille, quoi. Et les autres, ben, ils ont dit, ben oui, vous faites peut-être mieux de rester là, certainement, c'est ce qui a dû se passer, quoi. Et donc, les autres militaires qui étaient même peut-être pas descendus du camion, sont descendus du véhicule, et puis après, ben, c'était peut-être assez difficile pour le chauffeur de ramasser tout le monde et de repartir. Et donc, après, à ce qui paraît, c'est qu'il y a une personne qui a été maire d'Imoutier, qui s'appelle donc Monsieur Fressé, qui a dû arriver peu de temps après ce qui s'était passé, et donc qui a profité aussi de cette occasion pour aller alerter les autres personnes, quoi. D'autres personnes qu'il connaissait bien sur Follamontagne, en l'occurrence monsieur Fanton et d'autres personnes comme ça, d'autres personnes qui connaissaient, qui appartenaient au PC, comme monsieur Fressé certainement appartenait au PC. Après, bon, plusieurs personnes sont arrivées, de Follamontagne, un petit peu de partout. Et donc, ce véhicule, il ne pouvait plus repartir.
parce que tout le monde était là et tout le monde soutenait ces jeunes. Et donc ces jeunes, d'après ce que mon père m'a dit, eh ben, ils n'ont même pas fait de détails. La plupart, ils se sont cassés, ils ont été chez les paysans pour aller se coucher dans les barges de foin en attendant pour voir ce qui allait se passer, bien heureux de rester là encore quelques temps. Quoi. Ouais. Je crois que dans leur tête, c'était plutôt de louper le bateau pour pouvoir partir. Quoi. Même mon père m'a dit que lui personnellement, le chauffeur était en train de quelqu'un lui avait percé les pneus, il était en train de remettre une roue, et puis lui, ben, il a tapé dans le cri pour empêcher que le camion décolle. Quoi. Et moi, ce que j'en ai comme souvenir, parce que j'étais quand même assez gamin, et j'en ai pour souvenir d'être parti avec mon père pour aller voir ce camion, et de voir un vélo qui était, au lieu d'être posé contre le mur, qui était posé contre le camion. Et quand on est tout gamin comme ça, qu'on voit que, avec ce qui s'est passé, parce que ces événements-là, à cette époque-là, il faut se dire qu'il ne se passait pas beaucoup, beaucoup de choses dans le village. Quoi. Pour nous, c'était un petit peu la fête. C'était, tout en disant que c'était la fête, c'était aussi. On savait que nos parents nous avaient dit que c'était quelque chose quand même qu'ils faisaient, qui était un petit peu hors la loi, qui était dangereux. Et donc, on n'avait pas la permission d'y aller comme ça. Il fallait, on allait voir, et bien hop, prendre la ligne, il fallait revenir se coucher. Quoi, hein. Oui. On ne restait pas là-bas. Hein. Mais ce qui m'avait choqué, c'était de voir, enfin, pas choqué, mais j'avais trouvé ce vélo qui était posé contre le camion, pour moi, c'était synonyme que ce camion n'allait pas repartir. Quoi. Parce que pour moi, un vélo, il aurait pu être posé contre un mur ou un truc comme ça, j'aurais compris. Mais voir ce vélo dans ce camion, pour moi, cette photo, elle est gravée. Quoi. Ouais, je me souviens même d'avoir vu ce camion immobilisé. Et puis maintenant, quand je le vois même que ce camion est arrêté en plein virage, là, devant chez Salia, là, à la route qui monte à l'église. Là. Ouais, c'est ce monsieur qui a pris toutes les responsabilités et qui dans sa vie a pris une. Pour moi, c'est lourd ce qu'il a fait parce que. Il a été décassé d'un stit et tout, il a perdu une partie de sa vie. Quoi. Et ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, on reprend tout ça, la vie de Dieu, si, et là, un nombre de personnes, oui, mais d'accord, mais c'est M. Franton qui lui, a pris tout, quoi, oui. À mes yeux. Et moi, tout gamin, je vois encore ce. Sciemment, il a consciemment fait oui, tout sur lui. Oui, parce que, à part là, c'est pas lui qui a arrêté le camion, c'est pas. Mais il fallait un coupable. Et puis l'État, quand il y a des gros problèmes, enfin des problèmes comme ça, il faut au moins, au minimum, un coupable. Donc le coupable, c'était M. Franton. Alors que M. Franton n'a pas arrêté le camion, M. Franton n'a pas mis du sucre dans le réservoir, M. Franton n'a pas percé les pneus. M. Franton a été. La personne qui a pris toutes ses responsabilités. Oui. Qui a dégagé les autres de toute responsabilité. Quoi. Et aller en prison au Fort du Hain, c'est quand même. C'est quand même un souvenir que. Je pense que les habitants de la vie de Dieu, même par rapport à ça, les témoignages, les trucs, les machins, il y en a certains qui ne veulent peut-être pas trop témoigner parce qu'il y a une certaine. Peut-être. Je vois quand on parle avec mon père et. On sent qu'il était fier d'y être et tout, mais il sent qu'il n'a pas assumé sa responsabilité, quoi, en gros. Il y a un gêne. Il y a une gêne, voilà. Et je pense que pour certains qui étaient vraiment, parce que mon père m'a bien dit, il disait que quand les CRS sont arrivés à je ne sais pas quelle heure du matin, là, un petit jour, ils n'étaient pas très nombreux à être au café de chez Madame Moratti, là. Il y avait M. Franton, bien sûr, M. Romanet, la femme de Manier, là, tout ça, mais ils n'étaient pas. Ça ne se bousculait pas. Hein. Oui. Je pense que c'était ça. M. Franton, pour eux, c'était le héros. C'est, parce qu'avoir vu M. Franton instit avant, et après, moi, j'ai vu M. Franton qui était marchand de bois, parce que mon père travaillait dans les bois, et donc il est assez souvent à la maison. À la fin, c'était quand même un autre personnage pour lui. Hein. Il avait changé, hein. ça l'avait marqué. Il avait,
il avait quand même des traces de ce qui s'était passé. Hein. Et on peut comprendre que cette famille, même quand à la fois à Montagne, ils ont mis cette plaque et qu'ils ont invité la famille à venir, on peut comprendre aussi que cette famille n'est pas venue. Oui. Il y a eu quelques malentendus, des personnes qui ont pris des initiatives qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vécu ça, qui n'ont pas compris tout ce qu'il pouvait y avoir. Parce que même moi qui étais fils de communiste, et bien après tous ces problèmes, eh ben, il y a eu quand même des problèmes importants. Après ça, moi en tant que gamin, j'en ai vachement souffert quand même. Et même aujourd'hui, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Je pense qu'il y a une certaine hypocrisie, quoi. La vie de Dieu, j'aime bien les habitants de la vie de Dieu, mais il y a un certain... il y a quelque chose qui, en moi, a été détruit. Il y a des souvenirs pour moi qui me restent gravés et que j'oublierai pas, quoi. Et je pense que même dans la famille, j'en parle avec mes frères, ils n'ont pas du tout ressenti ça comme moi, comme quoi qu'entre frères, on est totalement différents, quoi. Husbands feel wives of farmers know the power of a home-cooked meal. Wives of farmers grow pretty flowers out in the yard. Wives of farmers know that life sometimes hard. Parce que moi, à mes yeux, la vérité sur l'histoire de la vie de Dieu, non, la vérité n'a pas été faite, quoi. C'est comme si c'était une enquête qui avait été bâclée. C'est à peu près ça, quoi. Ouais. Mais l'enquête, elle a été ouverte. On peut oui, dire ça. Pourquoi peut-être elle n'est pas bâclée. Pourquoi que j'ai pas été aussi et dire, parce que bon, c'était ouvert à tout le monde. C'est vrai, mais comme à chaque fois, on a l'impression qu'il y a toujours une part de vérité qui disparaît, même si on y va, et ben on sait que patatrac, on va peut-être pas être bien écouté, et il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus intéressantes et qui ont la parole beaucoup plus facile, et donc on va les prendre. Et donc par ce fait-là, il y a beaucoup de personnes qui seraient très intéressantes qu'on ne les interroge même pas. Il ne peut pas y avoir encore la paix à la vue de Dieu. La paix dans les âmes. La paix, je ne sais pas. Je ne sais pas si au travers des personnes de la vie de Dieu, mais tout ce que je peux dire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont mon âge à peu près, des enfants qui aujourd'hui dont les parents ne sont plus là, certainement qu'ils n'ont pas trouvé la paix, oui, ces gens-là. Parce que il y a certainement encore une souffrance, hein. Ouais, je pense. Hein. Et quand je parle d'eux, pour moi, c'était mes copains d'école, c'était des bons copains, des copines. Et c'est vrai que je pense à ces personnes-là que la vie de Dieu, il n'y a pas eu. On les a. Ça n'a pas été très très clair, quoi. Thank you.
Allez, salut. Salut. Bonne soirée. À plus. Au revoir, merci, bonne soirée. Vous aussi. Hein ? Bah oui. Merde, c'est resté allumé. Your husbands don't always know what to say. Wives of farmers understand this, love them for who they are anyway. Part et d'autre de la Méditerranée. Bon, on m'a dit, vous prenez donc l'indépendance de trois départements français, les trois départements français d'Algérie. Vous dites qu'ils vont devenir indépendants. Je dis oui, oui. Effectivement, je pense qu'ils vont devenir et qu'il faut trouver une solution rapidement pour leur accorder l'indépendance parce que ça, elle est inéluctable. Et j'ai été condamné pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, parce que l'Algérie, c'était la France, et que je disais qu'il y a trois départements français qui vont se séparer de la mère patrie.
Bon, ça m'a mis en colère quand même qu'on m'accuse d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. J'ai discuté avec le ministre de l'époque, qui s'appelait François Mitterrand, et puis je lui ai dit, si l'Algérie c'est la France, les Algériens sont français. J'ai donc le droit d'aller discuter avec des Français qui veulent cesser d'être français. Et je vais discuter avec eux. Bon, je suis passé en Tunisie, et de Tunisie, je suis rentré en Algérie, et puis j'ai tourné au maquis avec des Algériens qui voulaient devenir indépendants. Puis voilà, puis j'ai été là poursuivi pour ça aussi, et puis j'ai tourné quand même un premier film là-bas. Mais les problèmes, c'est que le problème pour moi, ça a été que les Algériens, ayant un film montrant la réalité des Algériens qui se battaient en Algérie pour l'indépendance, n'ont pas voulu. On pensait que ce serait de mauvaise politique que de dire, que de reconnaître que ce premier film algérien avait été tourné par un Français. Donc, ils m'ont collé dans une prison algérienne en Tunisie, alors que j'étais recherché en France pour être mis dans une prison française pour avoir tourné ce film. Pour ne froisser personne, je vais quand même commencer par Simone de Bollardière, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est notre présidente d'honneur. Nous avons ensuite André Bernard qui arrive, qui se fait attendre. Insoumis donc en 56. Également Alain Lepère, donc, qui était aussi insoumis en 56. Et Alban Lichty qui a été le premier soldat du refus. On préfère donner en général effectivement la parole, la mémoire à vif aux gens qui ont été à la base, pas forcément les gens qui étaient en tête, mais peut-être les obscurs, les sans-grades qui ont œuvré également pour la paix, chacun de leur côté et de manière différente. Et cette année, donc, nous avons souhaité établir une passerelle donc, entre l'Algérie et la Palestine, parce que ça nous a paru un combat important, où on a considéré que c'était important, à la fois de dédier cette journée, d'une part, à Cesare Battisti, donc réfugié italien dont le sort va être décidé le 30 juin, c'est très bientôt. Il y a d'ailleurs une journée qui est organisée à Paris dans le même temps, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Daniel Mermet n'est pas avec nous, alors qu'il nous avait promis de venir, mais bon, il soutient aussi les deux comités de soutien de Cesare Battisti. Et on veut également saluer très fort les prisonniers d'Action Directe. Vous avez peut-être, si vous suivez l'actualité, vu que Joël Aubron avait été libérée, mais elle est en phase terminale, donc ce n'est pas une libération qui est très positive. Et de toute façon, il reste ses compagnons en prison. Alors avant, je souhaitais donc que l'on écoute en leur hommage et en hommage à tous les prisonniers qui sont en ce moment en train d'attendre, comme, bon, mais c'est vrai, on libère Monsieur Papon, mais les autres, on les laisse pourrir en prison. Une chanson qui a été écrite par Dominique Grange. Et voilà, ça nous fait donc une première introduction. Mais dehors, derrière les grilles, la misère a le même goût. Révoltez les prisons vaciles, tous ceux qui luttent sont avec vous. Tous ceux qui luttent sont avec vous. Dans toutes les prisons, on tabasse. Trois matons qui s'emmerdent, tu y passes. Ah bon, il se trouve que moi j'ai une grange qui est pratique.
et puis qui a disponibilité des associations ou des gens qui veulent s'en servir pour qu'elle vive. Hein. Voilà, donc c'est, mais c'est un peu un hasard que ce soit chez moi. C'est, Voilà. Le thème cette année, c'est quand même fort. C'est quelque chose qu'on n'a pas entendu, qu'on fait avant, la désobéissance. Oui, c'est vrai que... Bah, c'est-à-dire que nous, on pense que, justement, on voit la faillite du politique au plus haut niveau, donc que ce soit au niveau mondial avec Bush en ce moment et de ça, mais même au niveau national, donc des nations en général. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que il faut que les citoyens aient absolument le qui n'est pas la seule possibilité, qui n'est pas que le droit de vote hein, et la possibilité de voter. Il faut aussi que en dehors des campagnes électorales qui sont pourtant permanentes et dans la vie en général, il faut que les citoyens y s'expriment. Et une des formes de l'expression, c'est la désobéissance, le refus des ordres donnés qui viennent d'en haut hein, et qu'on doit suivre absolument, quitte à perdre son âme, sa vie, etc. Donc nous, on pense que mettre en avant tous ces gens qui, à un moment, ont désobéi à l'autorité suprême, dite suprême, et qui, en fait, quelques années ou quelques décennies après, tout le monde s'aperçoit qu'ils avaient raison, ces gens-là. Hein, les gens qui ont dit la guerre d'Algérie, ça va être une catastrophe, hein, on va tuer des innocents et on va précipiter un pays. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une révolution, en général, une révolution violente, eh bien après, il y a un retour de balancier et le retour, il est toujours contre le peuple. Hein, en général, que ce soit la Révolution française, toutes les révolutions qu'il y a eu en Russie, et après, donc, tous ces mouvements de libération qui ont été poussés à bout, comme au Vietnam, comme en Algérie, après, il y a une radicalisation, puisqu'on isole les gens. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on dit, si la France avait mieux réfléchi à la décolonisation, elle aurait mieux intégré les jeunes d'origine algérienne, marocaine, qui sont maintenant sur notre territoire, qui sont maintenant français, mais qui ont leurs origines. Si on n'avait pas nié tout ça, eh bien, je pense que l'histoire à la fois de l'intégration en France et l'histoire de la politique algérienne aujourd'hui, de la vie en Algérie aujourd'hui, ben, serait radicalement différente. Donc tous ces gens qui ont désobéi à un moment ou à un autre et qui avaient raison, ben, à mon avis, il faut revenir sur tout cela. Et je crois qu'il faut le dire aux gens, il faut qu'il y ait un débat là-dessus. Il y a encore aujourd'hui en France, il n'y a pas de débat sur la colonisation et sur la décolonisation. Hier, j'écoutais une émission, encore aujourd'hui, dans le programme des maîtres d'histoire, des gens qui vont passer le CAPES et la GREG, on ne parle pas de la colonisation et de la décolonisation. On parle de la guerre 14-18, de la guerre 39-45, mais on ne veut jamais regarder les pages sombres de son pays. Et nous, ben justement, on est là, avec d'autres, pour mettre le doigt où ça fait mal, au cœur de la République française, les gens qui se sont trompés, les politiques qui sont trompés. Et je pense qu'il faut mettre en avant tous ces gens qui, à un moment ou à un autre, ont désobéi au risque de leur vie, parce qu'il y a des gens qui sont fait supprimer, il y a des gens qui ont été torturés, emprisonnés, qui ont vu leur vie cassée. Et justement, il faut réhabiliter ces gens-là et dire, effectivement, à un moment de leur vie, ils ont eu la force de conviction de dire que, de dire non, on ne veut pas suivre les préceptes et la politique de notre pays. C'est des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des milliards, tristes en larmes. Des veuves et des orphelins, Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est tout, conseil de guerre, et les palais sont tous sanglants. Oui mais, ça prend le temps, le manche, les mauvais jours finiront, et car à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les Jonathan de Bouge, valets de rois et d'empereurs. Oui mais
jours finiront. Et car à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pas sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés des curés. Oui mais avant le temps, le manche, les mauvais jours finiront. Et car à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Qu'un jour, tout ça, ça va émerger. Les nouveaux hommes. Les nouveaux hommes, oui, oui. Moi, je crois que j'y crois beaucoup. Hein. Ici, par exemple, ici, moi, je constate que donc, dans une région semi-désertique, là, du plateau de Mille Vaches, il y a déjà une émergence de ces gens-là. Des gens qui choisissent de vivre en accord avec leur environnement, avec des mouvements sociaux. C'est un petit laboratoire social ici, là, autour de nous, là, sur le plateau. Et je pense qu'il y a des gens qui sont plus attachés justement à la qualité de la vie, à la culture, à la littérature, au cinéma, au théâtre. Il y a beaucoup de mouvements qui se mettent en route comme ça. Et tous ces mouvements, forcément, ils débouchent sur le politique. C'est-à-dire on ne peut pas prôner une culture équitable et de ça sans prendre ses responsabilités au niveau politique. Et sans dire à un moment, stop, il faut changer de discours, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire qu'on ne pourra pas continuer à nous vivre en France, à gaspiller l'énergie, le pétrole, le polluer l'atmosphère, polluer les terres. Et tout ça en affamant des paysans africains ou indiens, en laissant une partie du monde complètement à l'écart. Et donc je crois qu'ici, les gens ont cette conscience, une partie des gens ont cette conscience. Et je vois que dans les pratiques sociales, eh bien, ça change, effectivement. On fait plus attention à son voisin, on est plus dans un esprit communautaire, mais pas communautariste. C'est-à-dire que nous, justement, notre réflexion, quand on a des relations avec des gens qui sont issus du Maghreb, qui sont plutôt de religion musulmane, et des gens qui sont plutôt ici de tradition judéo-chrétienne, eh bien, on se dit que, effectivement, si on continue à exacerber tous ces mouvements communautaristes, si on continue à opposer l'islam, le catholicisme et tout ça, eh bien, on n'en sortira pas. Je pense qu'il faut absolument que les gens qui, aujourd'hui, dirigent le monde et qui disent qu'ils font tout ça au nom du bien, hein, en s'opposant aux gens qui sont pauvres, hein, et qui eux sont montrés du côté du mal, ben je pense que là effectivement on pourra mettre que la planète à feu et à sang. Et à mon avis, la lutte aujourd'hui que certains gouvernements prônent contre le terrorisme, je crois que c'est eux les premiers terroristes. C'est en affamant le monde, c'est en refusant d'écouter justement tous ces gens qui demandent en fait d'être comme nous, d'avoir le droit à la parole et le droit de décider par eux-mêmes ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ben, je crois que tant qu'on ne sortira pas de ce cercle, il y aura toujours des attentats, des guerres et de la misère dans le monde. Dans
s'accrocher pour pas se foutre en l'air. Il y en a eu au moins 4 ou 5 qui ont été raccourcis sans raison apparente. Peut-être de simples félas qui avaient hébergé des félagas. Ces types ont été butés au couteau de la façon la plus sauvage qu'il soit. Les gars du deuxième bureau, spécialisés dans ces exactions, font cette réflexion. Si on les abîme bien au couteau, les arabes du coin vont croire que ce sont les félagas qui ont fait ce travail, et nous n'avons qu'à nous laver les mains. Ça c'était vécu, et ça c'était si, moi. Si j'ai écrit ça, c'est que... Je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas inventé. Je l'ai vécu, je l'ai vu. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. De façon. Et vous en conservez un souvenir difficile? Moi j'essaie de, vous savez, de me mettre de côté. Hein. Oui, mais pendant longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réadaptation à la vie civile, ça ne s'est pas faite sans mal. Hein. Je veux dire, sans mal, ça a été long. Il faut retrouver son équilibre, il faut retrouver ses copains, il faut retrouver ses relations. Il faut cacher tout à ses parents, enfin cacher tout, il faut pas. Vous comprenez bien que j'arrive pas à leur raconter ça. Hein? Quand nous étions du côté de Quinchelin, une caravane de chameaux avait été mitraillée. Elle était couverte, il y avait aussi quelques arbres, hein, et un nuage de corbeaux qui leur mangeait les yeux et les entrailles. Par jeu, des parachutistes se sont mis à tirer de loin, ce fusil mitrailleur, sur les corbeaux, pour leur prendre les plumes des ailes, des très belles plumes noires, bleues et vertes, enfin des reflets, parce que la mode c'était de jouer aux Indiens. Caravane massacrée de nuit à la mitrailleuse. On croyait qu'il transportait des armes, mais il n'en était rien. Noël Favrolière illustrait chaque fois qu'il le pouvait ses lettres à ses parents de dessin, racontant les opérations auxquelles il participait. Ce pays commence à ressembler à un charnier sur lequel dansent des démons. Mais le ciel, lui, s'en fout. Et il reste toujours aussi bleu, aussi beau. 3 mois encore. Ça va être long. On s'approchait de Mechta, cette baraque faite de tôles ondulées, etc. Et la nuit tombait, il faisait pas très clair. J'essayais de trouver des excuses. Et il y en a un qui a crié, attention, ça bouge dans le buisson. Et en effet, il y avait quelque chose de blanc qui bougeait dans le buisson. Et on a vu quelqu'un qui sortait du buisson et qui courait. Moi, j'ai vu que c'était petit, que c'était un enfant. Bon, d'autres ne l'ont peut-être pas vu. Et le capitaine, chaque groupe avait son tireur d'élite avec fusil à lunettes. C'était tout récent à l'époque, ça. Il a dit, tu as 50 balles. Et ma boîte de ration situe le dessin. Il a tiré. Et la petite boule s'est arrêtée, la petite forme blanche s'est arrêtée de courir. C'était une petite fille. Elle est morte dans ses bras. Et devenue fou. Lui aussi, piqûre et hôpital. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ben lui, il dort peut-être pas bien. Je trouvais que la France, bafouait les valeurs fondatrices et celles au nom desquelles
elle prétendait pacifier l'Algérie, parce qu'il y a des moments où on disait, par exemple, j'entendais ça dans la bouche du colonel Marais, il faut donner à ses enfants, on parlait des enfants algériens, le désir d'être français, ou l'envie d'être français. Mais l'envie d'être français n'a de sens que si la France promet à tous une égale protection de ses lois, une égale dignité. Et beaucoup des éléments de la guerre d'Algérie me paraissaient contredire cette promesse-là. La revue Esprit décide en 1959 de publier les lettres que Jean Lemeur a écrites de prison. Condamné à une peine de 2 ans pour refus d'obéissance, Jean Lemeur n'a cessé de correspondre avec sa famille et ses amis. Mon petit V, quand je pense que des séminaristes ont tourné les magnétos, et aussi des professeurs et des médecins, je ne peux retenir une indignation désespérée. Faut-il que la gangrène soit profonde? Tout le monde supporte les abus de l'autorité du moment que c'est l'autorité. Il faut démystifier la discipline militaire. Si je salue un tortionnaire, si j'obéis à un bourreau, je ratifie la torture et l'assassinat. J'aimerais parler d'autre chose et je rêve de pouvoir enfin penser à autre chose. Mais tout ce qui se fait ici se fait au nom du peuple français et on torture des enfants. Autrement dit, je torture, tu tortures des enfants. Nous, moi, quand j'étais mêlé avec des parachutistes... Et puis, ben, c'est ou la corvée de bois ou la balle perdue, puisque ça, ils vont pas céder. Ou bien j'accepte et de compromis en compromis, je deviens moi aussi un tortionnaire. Il n'a pas fallu longtemps, on a dit bon, ben non. Pas question d'y aller. Alors, la corvée de bois, c'est une expression, j'en connaissais la signification. On a dit que ça a beaucoup été employé en Indochine. On dit à un prisonnier, tiens, ramasse du bois pour faire le feu, il s'écarte de quelques pas, de quelques mètres du camp. Et on l'abat d'une rafale, le rapport est tout simple à établir, tentative de fuite. Voilà ce que c'est qu'une corvée de bois, c'est tout simple. Bien sûr, je suis très content de retrouver des gens là-dedans. Vous avez le témoignage de Noël Favrelière. Noël Favrelière est en fait le personnage principal d'avoir 20 ans dans les Aurès, qui a été primé à Cannes, mais qui était basé sur l'histoire de Noël Favrelière au moment où j'ai connu Noël Favrelière quand nous étions tous les deux poursuivis pour notre opposition à la guerre d'Algérie. Noël venait de passer là, venait de déserter en emmenant un prisonnier qu'il avait ordre de descendre et il l'a ramené, il a réussi à le ramener jusqu'à la frontière tunisienne. J'ai connu le prisonnier, j'ai connu Noël. Et ça me fait plaisir de retrouver Noël là, même si après on a eu des positions différentes sur un certain nombre de problèmes. Est-ce que c'était pour échapper à l'épreuve possible d'être dans la situation où on me demanderait de faire ça, c'est-à-dire de pratiquer la torture, de la faire pratiquer? Je me suis dit, même si tu ne tortures pas toi-même, tu es dans un système où la torture est un organe important, sinon essentiel. Et donc, torturant ou ne torturant pas, tournant soi-même la gégène, enfonçant le tuyau dans la bouche des torturés, pratiquant toutes sortes de choses abominables, ou ne le faisant pas, quelqu'un dans un bureau qui remplit une tâche nécessaire à l'armée, on a besoin que des rapports soient faits, etc. Peut-il dire qu'il est à l'abri? Il y avait dans ma réflexion cette dimension-là, un peu terrifiante, peut-être excessive. J'avais la complicité. Oui. L'armée française a créé, après les officiers de renseignement, le deuxième bureau, elle a créé les DOP.
et ça on n'en a pas assez parlé, détachement opérationnel de protection. C'était des équipes qui venaient avec la GIGN à la main, c'était les spécialistes. Ils venaient pour ça. Et ça, tous ont entendu, tous partout. Ken Sheila, le 17 septembre 1958. Philippe, hier soir à 10h, j'ai entendu des hurlements dans un baraquement proche. Je suis sorti pour voir. C'était ce que tu penses. Un interrogatoire dans une pièce voisine. Une douzaine de gendarmes regardaient le spectacle de l'extérieur. Je ne sais pas quelle méthode on employait, je pense que c'était l'électricité. Je suis resté peut-être 10 secondes dehors et en partant, j'ai dit mon écœurement. Ça m'a valu des colibés des gendarmes et une semonce menaçante d'un lieutenant. La séance a duré plus d'une heure. Jusque-là, je savais que ça existait. Je sais maintenant comment peuvent retentir en moi ces hurlements lugubres qui se terminent en sanglots d'enfants. J'en suis encore comme halluciné d'angoisse et de désespoir. Les tortionnaires nous ressemblent et sont souvent de bonne compagnie. Ils regrettent les tristes nécessités de la guerre qui nous est imposée. Ah mais c'est beaucoup, moi, c'est un sacré truc hein, quand on entend. Et encore, je n'ai pas beaucoup entendu, quoi. C'est... Et je vous dis, bon, ça, c'est à Kinshasa, c'était chez les gendarmes, ça a duré une heure, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Je suis sorti pour être prêt, puis j'ai entendu. L'armée rend responsable les communistes français de la démoralisation des troupes. Pourtant, le parti, soucieux de sa légalité, ne prendra jamais la désertion. On subissait à Cherchel des conférences d'action psychologique. Il y avait un capitaine ou commandant, je ne sais pas son nom, qui venait nous communiquer la bonne parole, c'est-à-dire essayer d'introduire dans nos esprits le sentiment que c'était une guerre juste et que c'était en particulier, ça c'était sa thèse majeure, que c'était les puissances communistes qui manipulaient les nationalistes algériens et que la défense de l'Occident chrétien passait par la répression ou la victoire sur les nationalistes algériens. Et c'est ainsi qu'avec un aplomb extraordinaire, il désignait François Mauriac, par exemple, comme un agent du communisme international. Je me retrouve là.
tout à l'heure, on parlait d'opération de police, opération de maintien de l'ordre. Ça a démarré de cette manière-là. Et le Français moyen n'imaginait même pas ce qui pouvait se passer là-bas. Et il n'était question, finalement, que de remettre dans le droit chemin des gens un peu égarés. J'oubliais au passage quand même que le 8 mai 1945, alors qu'on fêtait la capitulation d'Allemagne dans les rues de Paris et des grandes villes de France, s'est déroulé à Sétif un massacre épouvantable contre des Algériens qui avaient osé demander l'autonomie interne, et l'estimation basse c'est 25 000 morts, l'estimation supérieure 40 000 morts. Donc il y avait un terrain déjà tout près à une répression de masse, et ça n'a pas commencé à la Toussaint le 1er novembre 1954. Avec deux amis de mouvement de club de loisirs de la banlieue, Chevalier et Millot, nous avons décidé, un peu rapidement, de constituer un mouvement contre le départ du contingent en Algérie. C'était l'époque où Edgar Faure était ministre, Premier ministre, où on parlait déjà d'envoyer massivement le contingent, mais ce n'était pas encore possible, il fallait qu'une assemblée vote cette décision. Donc on a constitué ce comité, et à notre grande surprise, très rapidement, sont arrivés vers nous la plupart des représentants du mouvement de jeunesse, et en une quinzaine de jours, bien, nous commencions à multiplier dans Paris, en tout cas, les réunions de quartier, des colloques, et jusqu'au moment où on avait réussi à ramasser de l'argent dans la réunion publique, on a pu louer la mutualité pour faire un grand meeting de masse contre le départ du contingent en Algérie. Et là, ça a été tout à fait catastrophique, parce que, bien évidemment, nous avons eu un refus après location de la salle de la préfecture de police de Paris. J'ai ici le document authentique, hein. Je pourrais vous montrer si vous voulez, où on avait eu affaire à un brave membre du cabinet du préfet, M. André Dubois, qui nous avait reçu gentiment de braves petits jeunes gens, humanistes et tout, et qui nous a accompagnés civilement jusqu'à la porte, au moment de nous dire au revoir, et si vous faites les cons, vous aurez affaire à nous. De ne jamais mettre une seule balle dans mon fusil, et je le fais savoir à tous pour que chacun sache bien que je n'ai absolument pas changé d'avis. Dans cette période en France, mes parents reçoivent des menaces de l'OAS, et le capitaine me prévient que je suis menacé aussi en Algérie en me disant « ne sortez pas de la caserne, si vous sortez, il y en a qui peuvent vous vouloir du mal ». Mais, alors là je saute un peu, mais un peu avant, j'ai fait immédiatement 2 mois d'opération dans un régiment de tirailleurs algériens. Et là, évidemment, j'ai été mis en danger volontairement par les militaires. Ils m'ont d'abord fait faire les opérations en éclaireur de pointe. C'est-à-dire que si on avait un accrochage, et le capitaine m'avait dit, c'était un OAS qui avait fait la guerre d'Indochine, il m'avait dit, finalement, vous avez refusé parce que vous avez peur de combattre, c'est tout. Alors j'ai dit, vous savez, je crois que j'avais d'autres raisons. Il m'a dit, bon, ben, on va bien voir, donc vous serez éclaireur de pointe, et puis s'il y a un accrochage, si les autres ne vous ratent pas, moi je vous raterai pas. Donc, nous avons pris le chemin de l'exil en juin 1958. Nous avons commencé, parce que j'y tenais beaucoup, avant de passer la frontière suisse, de participer en France à un chantier du service civil international, ce que nous avons fait pendant 2 mois. Ensuite, nous avons regagné Genève. Nous avons passé la frontière sans encombre. À Genève, étant arrivés
seul, sans logistique particulière, sans appui. Nous sommes restés assez isolés, solitaires, pendant environ 5 à 6 mois, à la suite de quoi j'ai fait la connaissance par hasard à Genève d'un vieux militant anarcho-syndicaliste, André Bézigueur, dont Hélène Marco parle dans son livre, qui avait organisé, qui maintenait des contacts avec des militants français, qui avaient organisé une filière de passage pour les déserteurs et les insoumis, et qui m'avait fait la connaissance à Genève de mon ami André Bernard, qui était déjà là-bas depuis 1956. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. Ça fait beaucoup de poussière hein, quand même. Hein. Tiens, regarde derrière les gars qui sont sur les tracteurs toute une journée, ils doivent en avaler. Hein. Papa, on peut avoir du gâteau hein? Avec le produit qui doit être dessus, des fois. Papa, on peut avoir du gâteau ou pas? C'est quoi? On va peut-être pas tellement dans les foies, mais quand ils font les blés ou les trucs comme ça, hein. Ils font des traitements pas de à l'étranger en octobre 56. J'ai participé brièvement au réseau Jeune Résistance. Je suis rentré officiellement en France avec l'action civique non violente en avril 1961. Je suis athée, anarchiste, partisan de l'action non violente, je précise. Bon, vous avez remarqué dans le film qu'il est très difficile de résister à la guerre tout court et à la guerre coloniale, et que la décision se prend individuellement. Ce qu'on a tous fait, enfin nous, les réfractaires. Mais ce qui m'intéresse, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est d'une action collective, et pas de moi. Donc, je vais vous dire quelques mots, pas plus de 5 minutes, vous m'arrêtez. Donc, sur l'action collective contre la guerre d'Algérie, de 59 à 63, par les réfractaires de l'action civique non violente. 59, vous allez dire, c'est un peu tard. Mais effectivement, c'est très difficile d'engager une action collective, donc ça a pris du temps. Avant le statut, il y avait des gens qui existaient, mais objecteurs en droit n'existaient pas. Et tous ceux qui ont fait un refus d'obéissance à l'armée. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. L'action civique non violente s'est constituée en 1957 en coordination avec la communauté de l'Arche, fondée par Lanza del Vasto, que vous connaissez quasiment tous. Lanza del Vasto, un disciple de Gandhi, lui catholique, l'autre à nous. Mais l'action civique non violente s'est constituée en dehors de la communauté, en suivant ses propres règles, et l'action civique non violente s'est voulue comme séparée et absolument indépendante de la communauté de l'Arche. Mmm.
un problème politique, c'était pas un problème militaire. Il faut quand même pas oublier que les Algériens nous ont aidés à nous libérer des nazis. Parce qu'il faut pas oublier que Monte Cassino, c'était des Algériens et des Marocains avec des officiers français peut-être. Mais Monte Cassino, c'était particulièrement sanglant et c'était des Algériens qui y étaient. Et donc ils nous ont aidés à nous libérer de l'occupation nazie. Après, on les a retrouvés en Indochine, des Algériens, des Marocains, des Africains, qui ont constaté que les Vietnamiens arrivaient aussi, eux, à se débarrasser de la colonie. Alors, il ne faut pas mépriser les gens qui n'ont pas la même couleur de figure que nous. Leur intelligence marche aussi bien, si ce n'est pas mieux que la nôtre. Et quand la guerre s'est finie en Indochine, mon mari et moi, nous avons dit, maintenant, ça va être le tour de l'Algérie. Parce que l'Algérie, à chaque fois, depuis la colonisation de 1830, à chaque fois qu'il y a eu un essai de régler le problème pour donner enfin des droits à ces Français musulmans qui n'ont jamais été appelés des Algériens, mais des bouilloules, des ratons, des melons et tous ces noms-là, ils n'avaient droit à rien. Ils étaient dans une misère absolue. Et à chaque fois qu'il y a eu un essai pour leur donner une vie un peu plus normale, à chaque fois les très gros colons d'Alger ont refusé. Et donc, ils disent eux-mêmes que tous les moyens diplomatiques, tous les moyens politiques, toutes les portes auront été fermées. Et finalement, il ne restait plus que la porte de la révolution, enfin de la violence, quoi. Voilà. Donc ça a commencé en 54. Voilà. Et donc, je vais pas être trop long. Donc voilà, mon mari s'est trouvé à partir en Algérie. Lui, il est parti volontaire avec les rappelés de l'air en 56. Parce qu'il s'est dit que les rappelés de l'air étaient des garçons qui avaient fait leur service militaire sans avoir jamais vu un fusil. Ce qui fait que s'ils n'étaient pas chasseurs, ils ne savaient pas comment on s'en servait. Et donc que pour eux, le danger était extrême. Parce qu'ils savaient bien qu'en Algérie, le danger était extrême pour tout le monde. Donc il a demandé à partir avec eux comme pour encadrer les rappelés de l'air. Donc la vie reprenait dans ce secteur. La classe reprenait aussi et il n'y avait aucun attentat dans ce secteur. Jusqu'au jour où ça a changé, où le général Salan est arrivé en décembre 56, et puis la bataille d'Alger a commencé parce qu'il y avait dans la ville, il y avait des attentats. Donc à ce moment-là, on est venu dire à mon mari, voilà, il y a des femmes qui sont à la porte et qui viennent parce que leur fils ou leur mari ont été enlevés cette nuit. Par qui ils vont marier? Bien, par des soldats. Quoi de soldats? Eh bien, des soldats, béret rouge, commandant mon secteur, et oui. Donc, plusieurs fois, il est allé, il a remonté, il n'était que simple général deux étoiles, hein, c'est pas grand-chose. Donc, il est remonté au général au-dessus, Massu, Salan, et finalement, il est arrivé chez Lacoste pour rouspéter en disant, c'est pas normal, regardez ce qui se passe. Il savait très bien qu'il y avait de la torture autour, mais chez lui, non. Et donc, plusieurs fois, il est allé voir la cause. Et quand les décisions sont arrivées, ça arrive d'une façon très... On ne vous dit pas le mot torture, on ne vous dit pas du tout des trucs violents. Il faut que vous obteniez, il faut que vous soyez efficace, il faut que vous ayez du rendement. Voilà, du rendement. Et donc, quand mon mari a reçu ça, il a eu une altercation avec le général Massu, qui le commentait en gros, si on veut, et à qui il a dit « Je refuse absolument d'employer ces méthodes-là, et je méprise ton action, puisqu'ils avaient été assassinés à l'école en même temps, donc ils se tutoyaient, je méprise l'action que tu fais, et jamais je n'accepterai ça. » Alors bon, après, mon mari est allé voir le général Salan, et qui était beaucoup plus souple, enfin, qui a discuté avec mon mari sans aucune dispute. Et mon mari a dit, moi j'allais voir Lacoste, et Salan lui a dit, allez voir Salan, vous allez voir Lacoste. Donc mon mari est arrivé chez Lacoste pour la 6e, 7e, 8e fois. Et là, Lacoste lui a dit, écoutez, Boulardière, hein, arrêtez vos histoires et laissez travailler les parachutistes de Massu. Alors là, mon mari s'est rendu compte que ce qui se passait dans son secteur, il le savait, enfin, il a pris conscience qu'il était désavoué absolument partout, par tout le monde, toutes les autorités civiles et militaires, pas civiles, mais militaires, étaient tout à fait contre. Donc, ne voulant plus cautionner une chose pareille, et sur son secteur, il n'y a jamais eu de torture, il a demandé à être relevé de son commandement en disant « il faut que je prévienne les Français de ce qui se passe là-bas en leur nom ». Or, quand nous sommes rentrés, il y avait Serran Schreiber, le directeur de l'Express, qui avait été sous les ordres de mon mari comme rappelé de l'air. Et qui avait dit, je pars, d'accord, au gouvernement, je pars 6 mois, mais quand je reviens, je raconte ce que j'ai vu. Pas dans le secteur de mon mari, mais en Algérie. Et donc, il publiait dans son Express un roman qui s'appelait « Lieutenant d'Algérie », je crois, et qui paraissait donc toutes les semaines. Et il était poursuivi pour atteinte à l'honneur de la France, à la sécurité, enfin, vous savez, ces grandes choses, ces grands mots qu'on emploie. Et donc, quand il a su que mon mari était rentré, il a téléphoné à la maison, à Nantes, où j'étais chez mon père,
pour lui dire est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je fais. Et mon mari a dit mais bien sûr, il faut prévenir les Français de ce qui se passe là-bas. Ils ne le savent pas du tout, il faut qu'ils sachent puisque c'est un an que ça se fait. Et donc, il m'a demandé d'écrire une lettre. Et mon mari a écrit une lettre qui est très modérée dans les termes et dans laquelle il disait que c'était des procédés absolument inadmissibles et qui en plus ne seraient pas efficaces et ne donneraient pas de résultats valables au bout. Et donc, voilà. Et alors, à ce moment-là, il y a Beuve Méry qui était responsable du journal du Monde qui a téléphoné à la maison en disant « Mais général, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous demandez que moi aussi le Monde, je publie votre lettre. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui va se passer pour vous ?» Et j'étais dans la pièce et j'ai entendu dire mon mari dire « Mais ce qui se passe pour moi n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est que les Français sachent, se rendent compte de ce qui se passe là-bas. C'est l'abomination. Je vous demande de publier la lettre aussi. » Alors bien sûr, mon mari, comme tout officier, bien que général, est obligé d'avoir un droit de réserve, donc personne ne peut pas écrire une lettre publique sans la permission des autorités militaires, bien sûr. Alors il a franchi ça, mais tout à fait volontairement et très consciemment, et ça n'a pas tardé, dans les deux jours ou trois jours, le ministère, moi je l'appelle le ministère de la guerre, il paraît que ça s'appelle autrement maintenant, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin, pour moi c'est toujours le ministère de la guerre, ils l'ont appelé, donc il a été convoqué et condamné à 2 mois de forteresse. Donc, il a été enfermé à la Courneuve, à Saint-Denis, dans cette caserne de gendarmes, du 15 avril au 15 juin. C'était plutôt pour le mettre à l'abri des journalistes, pour que surtout on n'en parle pas. Et voilà. Et donc, après, puisque ces décisions sur un journal, sur un général, ça se prend à l'échelon du Conseil des ministres, ils ont décidé, certains ont voulu le vider de l'armée comme un salaud. Enfin, je regrette, je suis obligée de dire que mon mari avait quand même fait la Norvège, la Libye, l'Érythrée, la Syrie. Il a été dans un maquis responsable dans les Ardennes et après il a fini en 45 par sauter en parachute dans la Hollande pour finir de libérer la Hollande qui, elle, n'était pas encore libérée quand nous l'étions. Donc il avait quand même un passé militaire qui était assez important. Donc certains voulaient le vider de l'armée. Pas Mitterrand. Hein. Et finalement, c'est monsieur... Je sais jamais le nom. Ah, ouais, je suis très vieille. Hein, Defer, voilà, heureusement, ils savent pour moi. Alors, c'est Defer qui a dit mais là, si vous voulez le vider sans solde, il était ministre Defer, il a dit moi, je rends mon portefeuille et je fais une crise ministérielle. Alors là, leur courage n'a pas été jusque-là dans le Conseil des ministres, donc du coup, on a laissé mon mari avec sa retraite. Donc, moi, je vis avec la moitié de sa retraite, normalement, voilà. Et alors, Defer a dit, mais moi, je veux qu'il reste dans l'armée. Donc, c'est grâce à Defer que mon mari a été nommé. Alors, écoutez bien, c'est très beau. Adjoint au général commandant l'AEF et le Cameroun. C'est très beau sur une carte de visite. C'est très long. Il faut plusieurs lignes pour écrire tout ça. Mais adjoint, c'est un poste qui n'existe pas. Il n'existe pas. C'est exactement comme Monseigneur Gaillot après. Si vous avez entendu parler de Monseigneur Gaillot, lui, il a été envoyé à Partenior. C'était après. Eh bien, mon mari, c'est pas Partenior, c'est pas Limoges pour être limogé, c'est l'Afrique équatoriale française et le Cameroun. Donc, il a été pendant 2 ans et demi dans un bureau totalement vide. Je dis vide, avec rien. Et donc, alors là, il a bien fallu qu'on vive. Alors moi, je l'ai rejoint avec les enfants. Et du coup, alors ça, je peux vous dire que nous avons fait beaucoup de piscine, beaucoup de cheval, beaucoup de tennis. Il m'a appris à monter au filet, mais tout à fait. J'ai appris à faire du trot, du galop, sauter des petits obstacles. C'était tout à fait remarquable. Mais ça, c'est au point de vue personnel. Hein, mais au point de vue militaire, c'était plus nul que nul. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et alors, en plus, nous étions venus, nous sortions la peste et le choléra, c'est évident. Personne ne pouvait nous voir, parce qu'après une chose aussi abominable que de dire que la torture, c'est pas bien et que c'est pas efficace, c'est quand même quelque chose de très grave. Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, mais enfin, écoutez, s'il n'était pas content, il avait qu'à partir et s'en aller. Enfin, mais c'est ahurissant, ça. Alors, il allait partir, il allait revenir avec moi, retrouver les enfants, on aurait vécu paisible, en ménage heureux, et pendant ce temps-là, la jeune fille, elle était torturée, elle hurlait, le petit berger était continué à être torturé, hurlé. Moi, je ne comprends pas. Moi, j'avoue, je suis très révoltée de ces gens catholiques. Hein, catholiques, je le dis, complètement catholiques. Moi, je le suis aussi, mais enfin, un peu franchement, quand même. Hein. Oh, bon, alors... Ensemble, on est très partisans de la non-violence, de la résolution non-violente des conflits, donc voilà. Je ne veux pas vous occuper trop longtemps. Donc,
Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire quelque chose de très important, c'est que quand nous sommes rentrés, bon, ben, finalement, on sentait donc le souffle sur les reins. Et ce qui m'a surpris, mais qui m'a fait une éducation très forte, c'est que quand je suis arrivée, il y a eu la fête des Bretons, parce que nous sommes Bretons aussi. Il y avait la fête des Bretons, il y a des Bretons partout dans le monde. Et donc, nous sommes allés à la fête des Bretons. Et voilà que je vois dans là, comme ça, un officier que j'avais rencontré en Indochine et qui avait été très sympathique et qui était dans mes âges à moi, parce qu'entre mon mari et moi, il y avait 14 ans de différence, j'étais un peu plus jeune, quoi. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah bon, alors moi je suis un peu spontanée, quoi. Alors, je suis allée vers lui pour lui dire bonjour, comme j'aurais fait avec vous, je vous vois, mais je vais vous dire bonjour. Il a tourné la tête, il est parti, il ne m'avait pas vu. Ah, alors c'est arrivé une ou deux fois, alors après je ne vais plus trop au devant parce que c'est pas très bien. Voilà, donc finalement, après ça, il a été envoyé comme seul rentré, au bout de 2 ans et demi, il a été mis en Algérie, non, il a été envoyé en Allemagne. Mon mari a dit, écoutez, en Algérie, vous continuez à faire de la pacification, moi ça m'intéresse beaucoup la pacification, je voudrais y aller. Ah, dit Mesmer, il n'y a pas de place pour l'instant, alors on va vous envoyer à Koblenz en Allemagne. Mais en attendant, voilà, mon mari a dit, bah, écoutez, si c'est en attendant, bah, moi j'y vais tout seul et ma famille reste en France. C'est ce qui s'est fait. Et puis il y a eu plus des généraux, alors là mon mari a pris le train, il est rentré, puis finalement il a quitté l'armée. Et donc c'est très bien, on a changé de vie, on est devenu civil, on a changé de vie, on a changé de lieu, on a changé d'habits, on a changé d'activité, et me voilà ici avec des gens avec qui je m'entends très bien, et qui ne me tournent pas la tête quand ils me voient. Voilà. Moi, l'anarchiste, c'est la première fois que je me trouve aussi près d'une générale. Au plan de l'éthique, j'avais déjà la conviction assurée que l'indépendance de l'Algérie, c'était une question de durée, mais qu'en termes d'histoire, c'était sûr. J'avais déjà écrit souvent, contrairement à ce qui a été dit, paix en Algérie, sur des vieilles granges, sur les routes à l'époque, avec les pinceaux et la peinture blanche. Et ce que je souhaitais, moi, c'est que les appelés qui acceptaient de partir puissent savoir ce qui se passait, et même à leur place modeste, comme ça a été mon cas, protéger les populations contre tout ce qu'on a vu, les tortures, les viols, les vols, les gens enterrés vivants par des bulldozers, les suspects accrochés à des jeeps pour les montrer à la population civile. Quand la prison est pleine, on la vide, on fait monter en hélico, on les balance sur les pitons pour que les gens s'aperçoivent de ce qu'est la réalité qui les attend. Donc je pensais qu'appeler, on pouvait intervenir là-dedans. Et je reviens la conscience tranquille. Parce que, un, je n'ai pas tiré un seul coup de feu, bien que 27 copains soient restés sur le terrain. Ce sont des gars de notre propre section qui sont allés les encorder. Et c'est une section voisine du génie qui avait fait le trou avec le bulldozer. Et ils ont été enterrés, enfin projetés vivants dans le trou. Le bulldozer les a recouverts. Ah oui, oui, ils ont été témoins et acteurs. Donc, à moi, on n'avait pas demandé, parce qu'on savait vraisemblablement que je ne le ferais pas et que ça risquait de remuer beaucoup autour de nous. Et puis une fois, on est venu le chercher, et sur un talus comme ça, il y avait 7 garçons de 20 ans, 22 ans, algériens, qui avaient été passés à la mitraillette. Et les papiers que l'administration des services de mon mari leur avait donnés pour réadministrer donc les cartes d'identité, les trucs comme ça, déchirés sur le ventre. Donc c'est la vraie provocation pour dire que la pacification, on n'en veut pas, c'est pas ça qu'on veut faire. Oui, alors c'est un peu ce qu'a dit le premier intervenant. Lorsqu'il dit « on faisait la fête avant de partir parce qu'on allait manger du bouillon ». Alors c'est vrai que l'action psychologique pendant les 4 mois de préparation à l'Algérie était extrêmement intense, en jouant sur la peur,
en jouant sur l'irrationnel, en jouant sur le fait que c'était une colonie dans laquelle on avait beaucoup investi, en jouant sur le fait que si vous ne tirez pas, c'est l'autre qui va tirer. Et donc, on crée d'emblée deux camps. Deux camps, la population civile, vous n'avez pas à vous en mêler, vous n'y allez jamais. On était très peu à sortir sur une 6, 8, 8 sur 250, 300, on était quelques-uns à sortir dans les tanières qu'ils avaient, dans les petits, même pas des bars, des boutiques dans lesquelles vous servez le thé ou vous recevez avec une brochette, c'était très peu. Donc c'est l'isolation déjà. Alors oui, je crois qu'on joue sur la peur, l'isolement progressif, la mise en condition psychologique, l'usure physique. Parce que alors jamais de repos, toujours dans le djebel, les gars sont épuisés, ils montent au moment où ça commence à aller mal, on donne un peu de gnôle, etc. On finit les échauffourées, ou on fait des mises en scène si c'est nécessaire, en disant, vous voyez ce que le FLN a fait, même si ce n'est pas lui qui l'a fait, et si c'est des règlements de compte, je dirais, de droit commun ou d'autre origine, ou que l'armée elle-même ou les parents, enfin les commandos de choc, ont mis en place de façon à ce que les gars réagissent en violence, comme ça. Mais c'est vrai que je me suis parfois posé la question d'une hébétude existentielle pendant 2 ans là-dedans. Et de quoi du manque d'éducation ou d'humanisme d'un certain nombre d'entre nous qui n'arrivent pas à franchir le pas du respect de l'autre et qui, à certains moments, ben, sombrent dans tout ce qu'il y a de bassesse humaine. Et donc il est rentré et il s'est dit, mais il faut que... Donc il a fait cette lettre publique volontairement, il est passé par-dessus la loi. Très conscient de ça, et quand, c'est ce que j'ai dit, quand monsieur le directeur du Monde lui a dit, mais est-ce que vous vous rendez compte, vous êtes en train de vous faire circonvenir par un jeune journaliste, Serge Chabert, et où il va vous arriver des histoires, mon mari, ça j'entends mon mari, mais j'en ai, ça n'a aucune importance, ce qui m'arrive n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que les Français, ça... Mais oui, c'est plus une, ça vous dépasse complètement. Et qu'est-ce que la France... Les Français, qu'est-ce qu'ils font vis-à-vis de ça? Eh bien, les Français, ils s'en foutent. Ils vont aboyer, bravo. Ils vont nous donner l'ordre de nous disperser. Le poing levé, les tirailliers de vivre. On se moque, on va sur eux, ils ne comprennent pas. Les gallinacés sont vraiment des macaques. En mise de cerveau, ils n'ont plus de macaques. Quand ils font le courbin, c'est pas qu'en caverneux. Et quand ils tirent un coup, ils tuent des malchanceux. Les inhibistes de la lutte contre gardien de la répression. La liberté ne se crée pas dans l'hémicycle. Ils sont revenus blessés. Ils sont revenus traumatisés. Ils sont revenus, je dis, avec très souvent la nuit, c'est des plongées en enfer, avec de nouveau des cadavres mutilés qui réapparaissent, des gamins sous le napalm, des mèches tapent qui fument. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce qu'on peut faire, c'est éviter que le voisin y aille aussi, c'est tout. Mais on ne peut pas empêcher l'aviation qui bombarde, les grenades qui explosent et les commandos bigeards qui montrent avec le poignard à la main. La transition se fait toute seule. Toute seule, parce que ce film, il est la réponse de ce qui s'est passé avec les... Ben ici, vous avez Alban, vous avez des Favrelières, et vous avez mon mari. Bon, ben, ils ont eu la même... Ce sont les mêmes problèmes moraux, quoi. On est un homme, et qu'est-ce qu'on fait, hein? Et on a des convictions, on a un sens de la dignité de la personne, et qu'est-ce qu'on fait? Alors, bon, ben, avoir une belle maison, tout ça, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut... Mon mari disait, mais est-ce que je peux vous regarder la glace le matin? Alors c'est vrai qu'au plan mental, je voulais dire dans le débat que c'est un déchirement continu. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour où on ne soit pas soi-même confronté avec sa propre conscience. Jusqu'où je vais, qu'est-ce que je fais là? Je me tire, je m'en vais, je me flingue. Mais enfin là, il a sali l'armée. S'il n'était pas content, il n'avait qu'à partir. Alors ça, c'est d'une hypocrisie absolument abominable. Vous voyez des choses qui vous écœurent, ben vous n'êtes pas content, vous partez, vous vous en foutez, vous laissez continuer. Alors ça, moi, je ne peux pas entendre ça. Parce que vous n'allez pas rentrer chez vous pour être heureux avec votre femme et vos enfants en laissant la jeune femme torturée et le petit berger torturé. Hein. C'est pas possible. Ou alors, vous n'avez pas de sens moral, vous n'avez pas de conscience. Qu'est-ce que vous êtes, hein? Oui, oui. Et pour rester équilibré, c'est vrai que c'était une jonglerie permanente. Je me souviens d'un jeune gars, un Alsacien, qui arrivait et qui était chef de section. Il arrive l'hiver et donc on l'envoie immédiatement en embuscade le lendemain parce que des FLN devaient rentrer du Maroc et passer par le Djebel Amour où je me trouvais. Et le gars est 3-4 ans de moins que moi. Quoi. Je lui dis, oh, moi je viens. Oui, oui. Je lui dis, on ne tire pas. L'autre,
des arsenaux. On est là pour faire la guerre, pour tuer tous ces félous. Non, j'ai dit, moi, je tue pas. J'ai dit, maintenant, si tu veux tuer, je ne viens pas, je m'arrête là. Alors on part, on passe des heures sur un piton. Dans l'ouest en bas, à 1h, 2h du matin, j'avais dit au gars, surtout pas de cigarette, aucun bruit, les codasses posées. On entend passer. Et on se dit après, on culpabilise. Vous les avez laissés passer, ça se trouve, ils ont flingué les gars de votre compagnie 2 jours après. Mais si on tire dessus, j'ai aucune raison de tirer dessus. J'ai dit que moralement, j'étais pour l'indépendance de l'Algérie. Donc je ne tire pas. Mais sans arrêt, c'était des problèmes de ce genre qu'il fallait gérer, en plus de la misère de vie dans des unités comme ça. Il avait une conscience forte qu'il est chrétien, moi je dis, il est chrétien. Bon, les anards ne le sont pas, mais nous, nous le sommes. Et donc l'évangile a une importance pour nous. Tu ne tueras pas, tu aimeras ton ennemi, tu aimeras l'autre comme toi-même. C'est des choses très importantes. Pour mon mari, c'est important. L'autre, quel qu'il soit, c'est ton frère, quoi. Donc voilà, c'est écrit dans l'évangile. Ouais, c'est la ficelle, la carte. Voilà, regardez, regardez, elle sort. Ça y est. Ça y est. Ça, c'est De Gaulle, il y avait ça. C'était des gens qui avaient fait la guerre contre les nazis. Parce que tous, Massu, tous les autres, Bijard et tout, ce sont des gens qui se sont battus contre les nazis. Hein, et qui, s'étant battus contre les nazis, reprennent les mêmes méthodes. Alors ça, pour mon mari, c'était... C'est trop. Donc c'est, au fond, oui, il a eu du courage, je le connais, il a eu du courage, oui. Mais il a eu aussi un écœurement tellement profond, que c'est comme nous, quand on mange quelque chose, on se précipite aux toilettes et quelquefois on vomit avant d'être rendu aux toilettes. Et bien voilà, lui, il a vomi avant d'être rendu aux toilettes, il a quitté l'armée parce que c'est plus possible, c'est pas possible. Ou alors, qu'est-ce qu'on est ? J'apprécie dans le film toutes les parties de calme. Toutes les parties, ce mélange entre les discussions, entre les témoignages, et puis le calme de la vie dans ces régions de France où les choses ont été tournées. Et je vous remercie de m'avoir fait passer une bonne soirée. En regardant ce film dans lequel effectivement je retrouve des tas de gens avec lesquels j'ai été amené à travailler. J'ai tourné un film sur la guerre d'Algérie avec le général de Gaulardière et avec Madame de Gaulardière, et puis avec des gens qui ont disparu depuis. J'ai tourné des films dans d'autres régions avec mais c'est rare de voir des gens qui comme vous l'avez fait acceptent de donner la parole aux gens qui ont été à un moment ou à un autre des opposants à la guerre, prêts à la dénoncer. Et je crois que c'est encore même si c'est fait des années après, c'est encore aujourd'hui quelque chose d'une... Votre film est un film d'une remarquable actualité. Voilà. Je leur dis qu'eux aussi, il faut qu'ils se construisent, parce qu'ils ne savent pas comment sera l'avenir, et qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils croient. Est-ce qu'ils obéiront à tout ? Il ne faut surtout pas obéir à tout. Voilà. Hein, il faut mais qu'ils fassent critique. C'est très difficile de désobéir. On a toujours... Eh ben, on a été élevé à être obéissant. Depuis l'enfance, depuis nos parents, il faut obéir. Depuis l'école, depuis tout.
vous obéirez. Oui, vous avez... Et qu'est-ce que c'est difficile? Quand on a parlé avec quelques personnes ici, on les a demandé, est-ce que vous avez désobéi dans votre vie? Désobéi, réellement. Et les gens, ils disent, mais non, mais des fois, je n'étais pas bien, je n'étais pas à l'aise, mais j'aurais c'est très difficile. Obéi quand même. C'est extrêmement quand même. Difficile. Voilà. Alors moi, quand je rencontre des jeunes, je leur dis, écoutez, bien sûr, il faut désobéir. Pour moi, l'obéissance, ce n'est pas une vertu. L'obéissance, ce n'est pas une vertu du tout. Bien sûr, vous obéissez à vos professeurs, qui sont très... Voilà. Bien sûr, vous respectez les lois, vous conduisez à droite, vous ne buvez pas trop d'alcool avant, vous ne fumez pas trop. Bien sûr, ça, ce sont des lois, vous les respectez, donc vous obéissez aux lois. Maintenant, ce n'est pas parce que tout le monde le fait que vous devez le faire. Ce n'est pas parce que tout le monde est d'accord là-dessus que vous devez le faire. Vous, personnellement, à quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous ne croyez pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes capable de faire ou des choses que vous refuserez à tous les coups de faire? Construisez-vous des choses jamais je ne ferai. Construisez-vous, parce que si vous êtes amené à ça, les jeunes qui sont partis en Algérie n'avaient pas eu l'occasion de se poser le problème. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Et ils se sont trouvés embarqués. Les pauvres malheureux, je les plains, parce qu'ils sont dans un état terrible maintenant. Mais ils n'ont jamais eu l'occasion de se poser la question, est-ce que je... Ils n'avaient jamais imaginé ça. Ils allaient dans 3 départements français. Bon, quand ils sont arrivés en Algérie, les départements français, ça n'avait rien à voir avec les départements français. Hein. Il y avait les Français qui étaient bien, puis il y avait les bougnoules, les ratons, c'était des espèces de cloportes qui étaient là, dont on ne s'occupait pas. C'est ça. Il y avait un racisme incroyable, un mépris incroyable. Et ils sont arrivés là-dedans avec leur fraîcheur de 20 ans, sans aucune préparation, aucune. Et donc, s'ils ont été amenés à participer à des choses horribles, ils ont beaucoup d'excuses. Hein. Et moi, je compatis beaucoup pour eux. On ne s'est pas donné le temps de réfléchir, on ne s'est pas formé. Jamais. Il n'y a eu jamais. Non, il faut obéir parce que c'est la défense, donc c'est pourquoi. Mais exactement. Mais c'est est-ce qu'à l'école maintenant, est-ce qu'on les apprend à réfléchir? Alors ça, je pose la question. Ça dépend des profs. Ça dépend des profs. Dans l'armée, je sais que maintenant, après l'histoire de mon mari, je sais que maintenant, dans l'armée, on a le droit de refuser d'obéir à quelque chose qui est contre votre conscience. Et ça repose le problème de désobéir. Est-ce que si vous êtes tout seul dans votre compagnie à dire « moi ça je le refuse », il y a aussi le problème de la compagnie. Quand vous êtes dans l'armée, vous n'êtes plus vous-même, vous êtes un numéro dans un groupe. Alors le groupe c'est très fort. Et si vous êtes le seul original dans votre groupe, il y a tout le groupe qui vous dit « alors, qu'est-ce que t'as des questions, pourquoi tu fais des trucs là ?» Ou alors qui vous dit « ah bon, bah, t'es d'accord avec eux ?» Mais alors tu passes à la moulinette aussi. Alors, si t'es d'accord avec les affinagères, c'est toi qui as la torture. Collaborateur de l'autre côté. Oui, voilà. Donc t'es d'accord avec... Voilà. Quand on est tout seul... Tout seul contre tout un groupe. Oui. Bon, et donc, pour être tout seul contre un groupe, il faut vraiment avoir quelque chose de très fort, comme Alban Yeshti, là, parce que lui, il a quand même été très très fort. Il y en a eu d'autres, mais on les compte sur les doigts quand même. Je pense que, de toute façon, j'aurais refusé de faire mon service militaire. Mais peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais été dans la situation des objecteurs de conscience, c'est-à-dire que j'aurais été emprisonné. Et comment ça se fait qu'il y a tellement de monde, à votre avis, qui marche dans le système de déshumanisation, qui tombe si facilement dans le panneau des armées, etc. Comment ça se fait que carrément tout le monde y va à l'aveugle, avec les yeux ouverts, sans savoir. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de dire non ou de désobéir? Je sais pas la réponse. C'est pas difficile de dire non, mais c'est tellement facile de dire oui, de ne pas dire oui et de suivre le troupeau, quoi. Ce sont les mêmes problèmes moraux, quoi. On est un homme et qu'est-ce qu'on fait? Et on a des convictions, on a un sens de la dignité de la personne et qu'est-ce qu'on fait? Alors bon, avoir une belle maison, tout ça, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même avoir beaucoup de culot d'appeler quelque chose. Oui. L'hommage à la désobéissance. Oui. La difficulté de désobéir et le droit de désobéir. Le droit de désobéir, oui, mais je crois que justement, on ne rend pas assez hommage parce qu'il y a aussi les idées reçues.
qui font que très souvent, quand quelqu'un est insoumis et déserteur, on a tendance à dire ce qui a été lancé dans le débat, hein, enfin dans le débat, dans les interventions, c'est de la lâcheté. Alors qu'en fait, il faut un très grand courage finalement, parce que c'est se mettre en marge. Et se mettre en marge, ça demande finalement beaucoup plus de courage que de suivre, que d'être moutonnier, quoi, finalement. Voilà. Des armes, des chouettes, des brillantes, dès qu'il faut nettoyer souvent pour le plaisir. Et qu'il faut caresser comme pour le plaisir l'autre, celui qui fait rêver les communiantes. Des armes bleues comme la terre, dès qu'il faut se garder au chaud au fond de l'âme, dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme, qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère. Des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture. Dès qui vous font rêver très tard dans les lectures et qui mettent la poésie dans les discours. Des armes, des armes, des armes, des poètes de service à la gâchette pour mettre le feu aux dernières cigarettes au bout d'un verre français. On est un homme, et qu'est-ce qu'on fait ? Brillant comme une lame. Des armes. Des armes. Ces gens que je retrouve et dont vous avez recueilli les témoignages, je pense que c'est du bon boulot et un travail nécessaire et courageux. Alors ça, c'est un compliment. Voilà. Je vais préciser que Raymond, c'est un cinéaste non professionnel, hein, qui a participé aussi à des aventures. Par ailleurs, hein, Télémontage, Télébrouette, dont on pourrait parler éventuellement, hein, qui sont des aventures où des citoyens, des personnes prennent une caméra pour raconter des histoires, pour dénoncer, pour éclairer, pour poser des actions. Et c'est aussi ce que faisait René Wauthier, il me semble, par ses films militants de ses origines. Hein, Mais je ne sais pas, j'ai lu dans le dictionnaire des cinéastes que j'avais fait 150 films. mais dont quelques-uns avaient eu le visa. Oui. Brillant comme une lame. Des armes. Des armes.